Et chaque gonwall en fait est déterminant. Il n'y a pas la même mission. Oui, certainement. D'accord, avant, mais j'ai décidé de bagarre peut-être que nous pas dû oublier, parce que ouais, pendant toute semaine, nous avons essayé de responsabiliser l'institution par rapport à ça qui est passé à drame utilisé dans le village de Dieu et 12 mars. Il y a plusieurs policiers qui tombaient et puis il y a 8 qui sont blessés. Nous sommes dans le premier moment au ministère de la Défense, nous voyons Rodolphe Loisil qui était notre tête ministère ça. Et plusieurs promotions, hein, et c'est une base embryonnaire du corps du génie militaire qui s'est mis en place, évidemment. C'est 17 soldats techniciens. Je veux dire, il faut me demander, évidemment, et côté eux, et comment ils ont été utilisés dans le cadre d'opération ça. Alors, et si ça fait, il y a peut-être 3 points qui intéressent nous dans l'éditorial ça. Est-ce que, certainement, évidemment, c'est sollicité et le corps du génie militaire pour permettre le déploiement policier dans le village de Dieu. Et puis nous allons regarder ensemble tout qui expertise le corps du génie militaire ça. Et puis évidemment, nous allons regarder l'implication d'autres institutions qui sont capables d'éviter des actes sacrifiés, drames sacrifiés. Ok, et comment le dégâts vu que ouais, en fait, le gouvernement pour être capable de mettre l'armée. Là, nous avons un questionnement. Est-ce que CSPN non, c'est un ordre, bien entendu, qui est composé de premier ministre, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, des PNH, inspecteur général et en chef PNH. Est-ce qu'il est sollicité et l'armée à travers son corps et du génie militaire pour permettre le déploiement et policier et pour servir évidemment de bouclier? Parce que le corps du génie militaire, c'est qui s'allie. Donc, il y a des spécialisations, corps du génie militaire. Là. Il peut, par exemple, intervenir, vous pensez, dans la période 2012, parce que c'était le premier moment, et corps du génie militaire, là, après que j'ai fini écrasé, évidemment, en 1994, de l'année à s'écraser, il peut intervenir dans des travaux de réflexion, dans des travaux de réhabilitation, en pile, travaux de réhabilitation, par exemple, songez dans l'ouest, c'est bien réhabilitation de la route Corignon-Grandbois, bien tout au sud, réhabilité route de Vieux-Bourg, d'Aquin, nous pensez tout le travail ça. Quand du génie ministère là, il disposait d'un ensemble de matériel, par exemple de bulldozers, ça veut dire casseurs à chenille, côté, il y a qu'à expliquer un chemin, il est capable d'éliminer des obstacles. En fait, en fait, ça veut dire capable de casser roche, capable de casser monde. Donc, comment t'as voulu pour et la police nationale faire maintenant opération dans le village de Dieu, et puis il n'est pas entré avec engin ça. Il peut pas entrer en engin ça, qui coûte paix et espace. Faire espace, c'est-à-dire créer chemin pour les policiers, éliminer obstacles, et puis t'as servi d'écran, t'as servi de bouclier. Là, nous avons seulement évidemment, t'as servi de bouclier en attendant évidemment que les policiers interviennent. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une opération conjointe. Maintenant, est-ce que nous, quand on dit que nous, parce que c'est question à poser, nous avons dit, est-ce que le corps du génie militaire a assez équipé? Est-ce qu'il y a équipement ça? Mais il y a des travaux qu'il fait, j'en ai dit à l'heure. Il y a des travaux qu'il fait, mais est-ce qu'il dispose d'assez d'équipement de matériel pour se faire travailler ça en dans le village de Dieu? Même si nous n'avons pas assez de matériel pour intervenir dans le village de Dieu, il doit réquisitionner le matériel ça auprès de plusieurs institutions. Tant que la mairie, nous tournons encore avec les mairies. Il doit tout réquisitionner le matériel ça auprès du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MCPTC. Grand pile l'autre institution de l'État, c'est qu'il doit réquisitionner matériel ça. Est-ce que l'UTFL, je veux bien penser qu'il y a des questions qui posent. On va le faire opération dans le village de Dieu, parce qu'il faut comprendre bien. Ce n'est pas des innocents qui. En fait, est-ce que même difficulté la police est gagnée, donc est-ce que vous pensez que l'armée va pas bien le dos? Non, je parle de l'armée à travers son corps du génie militaire. Mais justement, est-ce que pas gourmet avec. Parce que moi, je veux bien. Opération sacrée menée et dans le village de Dieu, son opération. Parce que déblé un terrain pour la police. Et m'a bon menti. Et c'est un terrain qui sont territoire bandit. Ok? Elle dit que il n'a pas le face pour l'armée. Comme si il y en a qui monté et puis retiré par les cadres. Et puis, non, il n'a pas le fait face à des tirs, à des échanges. Même Jean-Claude, la police lui-même, il était fait face avec échange de tout, le 12 mars dernier. Écoutez, le corps, et quand du génie militaire l'a fait ça déjà, nous sommes en 2019, quand du génie militaire l'a fait prendre la rue et lever barricade, parce qu'il est capable de faire, il est capable vraiment d'éliminer l'obstacle.
quand le génie militaire a fait ça en 2019, nous avons utilisé et m'a précisé et pour quand le génie militaire a été capable de servir de bouclier d'écran. Il a dit qu'on n'a pas gagné autant de victimes. Il a dit dans le cadre d'une opération conjointe. Quand j'ai sacrifié là, dans le village de Dieu, on gagne des groupes paramilitaires. Et opération ça, qui t'a amené dans le village de Dieu, c'est pas une opération comme ça, c'est une opération semi-militaire que j'ai. Parce qu'on gagne des groupes, on gagne des armes militaires dans le meilleur, des armes militaires dans le meilleur. C'est-à-dire que Fox et peut-être que corps du génie militaire là est capable d'aider à éliminer les obstacles, à frayer des chemins, etc. pour les policiers capables d'entrer dans le cadre d'une opération conjointe. Mais ça, on a évité trop de dégâts et on a évité tout des pertes en vie humaine. J'en ai arrivé là. On aurait environ 6 policiers qui mourent. Parce que dans le cadre d'une opération conjointe, Louko, l'éclair, objectif opération, c'est qui s'allie, c'est zéro mort. L'éclair, il faut comprendre ça. Moun nous parle combattre dans le village de Dieu. Ce n'est pas des ennemis qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Non, non. C'est des citoyens qui en rébellion, évidemment. Nous avons besoin, tout en nous capables de prendre au vivant, pour nous faire parler, pour nous remonter à la source, pour voir qui est-ce qui finance, qui est-ce qui motive, qui mobilise, qui est très intéressant. Donc, l'objectif pour une opération conjointe comme ça, c'est zéro mort. Eh bien, maintenant, il y a un décret qui mettait l'armée avec la police en synergie. Ou pas quelqu'un donc il est capable de toujours planifier la prochaine intervention en ce sens. Oui, à travers le corps du génie militaire, il est très intéressant. Bien, bien. Merci en pile, donc, M. Robinson d'Haïti. Merci infiniment, Louko, Jean, et moi-même, moi dis là, pour qu'il y ait une opération conjointe, évidemment, et entre la police, en fait, le CSPN, parce que c'est là, nous allons définir responsabilité, Mounio. Parce que le Premier ministre, je n'ai jamais dit, parce que moi, j'ai des explications. Comment l'opération fait mener comme ça? Pour qui ça gagne autant de victimes, je ne veux dire. Et faut tout gagner des accusateurs. Et accusateurs sont capables de gagner, je ne veux dire, c'est parents. C'est parents, c'est amis proches policiers qui, pour dégager à côté institution qui t'a supposé impliquer dans le cadre d'opération, ça, qui pas impliqué, et puis qui vient de dégager ça, qui fait je ne veux dire. C'est vraiment grand pile marche, grand pile manifestation. Mais quand on a appris qu'on marche aux manifestations, c'est pour un problème lié. Parce que j'ai de parcours où les manifestants ont fait, maintenant, je véritablement qui objectif. Parce qu'il faut que nous allions, et côté maire pour président, pour nous demander des explications. Il faut que nous allions demander, et le premier ministre des explications, ministre de justice, là, du GPNH, il faut que nous demandions des explications. Est-ce que nous n'avons pas d'autres institutions qui étaient aidées dans le cadre d'opération, ça, pour pas dire autant de victimes et des pertes, parce que des dégâts matériels, par exemple, nous perdons des chars. Donc, on va dire qu'il y a un pile bagage nous capables de faire que nous régler et lutte nous, que nous réinventer stratégie de lutte nous pour au moins nous gagner en meilleure cohésion des institutions et puis qui a évidemment bas résultat. Voilà. D'accord. Merci en pile. Merci en pile, monsieur d'Haïti. Merci en pile. Bon week-end. Ok, bon, numéro de téléphone de Robinson d'Haïti, et c'est le 31-55-43-25. Esaïe César, comment est-ce? Bonjour, le plaisir, bonjour, peuple haïtien, bonjour, haïtien, haïtien un peu partout à travers le monde. Et bonjour, Pierre-Marie Tatout, bonjour, Jules Excident, bonjour à tout le monde qui branchait émission Matin Débat. Et je pense que je dis à là, c'est une situation qui va être cassé dans le pays. Et nous vivons un moment difficile dans le pays qui demande à chaque monde de ramasser le caractère pour nous combattre ça qui n'est pas bon. Ennemi numéro un, c'est le monde qui a fait remettre bandits pour tout les petits. Ennemi numéro un, c'est la misère. Et le numéro 1, c'est vagabondage. Peuple haïtien, en nous travail pour nous sortir pays à notre salier là. Parce que jodi à là, ça n'a pas vivre là, il dit en pile. Moi, je connais que grand pile menace sous tête journaliste. Grand pile menace sous tête conseiller de policiers conséquents qui ont fait travail. Yo. Je dis à là, contre les biens, ils ont kidnappé propriétaire cette rose de Lima, qui c'est une pompe funèbre dans la rue du centre.
poser cette question. Rue du Centre, c'est à quelques, on dit, quelques mètres de Village de Dieu. C'est-à-dire, où vient rue du Centre, où vient rue Charéron, puis bas. Et puis après ça, on descend dans rue de Janvier. Peuple haïtien, Monsieur Grand Avignon, pas descendre avec kidnapping. Gros ensemble de monde qui travaille pour eux en bas la ville là. Monsieur Village de Dieu, pas sorti en fait kidnapping. Yo gros ensemble de monde qui travaille pour eux. Donc, je dis à là, on nous clair ce qui a passé là. Je dis à faire 8 jours depuis cadavre policier t'a blayé dans sang yo en dans village de Dieu. Autorité en place yo t'es préféré ma gon ban nèg k'ap montre m c'est sauver la sauver population haïtienne là qui t'a population haïtienne ça ou dit t'a et c'est sécurisé sous base que monsieur capable utilité capable utiliser blindé ya pour faire exaction. M'a dit ou même population ça parler là la dodoméa sous bicentenaire là la peine joy li la relax coli notre passé bon village là et là notre passé là notre passé bon village de Dieu tout est calme comme si de rien n'était. 8 jours après l'assassinat de ces policiers vaillants qui mourit t'as couru une bande bête. Les autorités policières, il y a Dodo Meya. Tout vont cédo. Nèg politique a fait politique avec sacrivia. Nèg de pouvoir a brancé. Famille cadavio, famille policier yo. Eh bien, famille policier yo a crié. Est-ce que nous connaissons peuple haïtien? Dans moment on a parlé là, il y a de gros tractations qu'a fait. Soit pour faire même gang Isoa craser en dedans soit pour capable mais faire le déplacer faire un camouflage mais Iso connaît déjà mourir Iso déjà mourir mais seulement cadavre li poko à terre tractation qu'a fait sous base que Iso t'a prend balle pas dire rien bail comme ça peuple haïtien et c'est mater débat. Et je regrette ce matin. On est cap fond de gros travail dans le pays. La lente technologique sous base pour annoncer sous média que ils ont appris balle. Monsieur Dorsena, au grand pile capacité et ou offrit tout service qu'il faut. À pays pour ne pas arriver là. Malheureusement, le directeur général de la police qui vient, qui monte, il pense que c'est avec coup de zam, il est capable de résoudre le problème en bas, village de Dieu. Il monte sur le récif. Il vient faire l'obéi, je ne veux dire là, il a cherché un bouc émissaire pour capable ramasser tout l'obéi qu'il vient faire. Monsieur Dorsena, nous avons un grand pile menace sur tête. On connaît que ou presque quitter pays a pour bailler monsieur gérer affaire. Monsieur Dorsena, pas entrer dans logique pour faire qu'un tractation pour qu'un nèg a responsabilité pour cadrer le village de Dieu pour mener opération Jean doit mener. Dans moment on a parlé là, tout est calme à village de Dieu. Mon a manger, mon a enjoy, mon a bretafia, mon a relax, mon a fumer boz. Est-ce que vous comprenez? Toute activité à rentrer, machine à rentrer, bicyclette à rentrer. Qui bon longtemps, on n'est pas arrêté. Li ban on gendarme, on soufflette. Moun qui nan zone ça, c'est couille qui te zone là. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi, après 8 jours de assassinats qui fait sous policiers haïtiens, yo, pas de aucune mesure qui prend pour barrer, pour quadriller village de Dieu.
sous base que nous va le faire victime collatérale. Nous connaissons menti. Nous connaissons menti. Blende a te pi important sous base que n'a protégé population. Tellement n'a protégé population, et ben vagabond a kidnappé petit peuple qui a travaillé, qui a bay travaillé. Yo kidnappé propriétaire en pompe funèbre, cette rose de Lima. Donc ça veut dire que jodi a là, c'est pas n'importe moun qui kidnappé. C'est pas n'importe moun qui kidnappé. C'est pas n'importe moun qui kidnappé. C'est des nègres qui ont des pouvoirs. Zam a qui ont 4 pour le présenter 4 là. Sous base de ces policiers. Il y a toute qualité policier dans la rue. Hein. M'bral annoncer ça. Et m'bral lancer message ça by zombie. Fantôme yo. Monsieur. Nous avons des articles qui sont sortis là. Et la police nationale, une institution en voie de disparition. Moi, je fais partie de la troisième promotion de la police nationale. Moi, fier de le dire. Messieurs, dames, je connais Fantomio, nous c'est des zombies, je comprends. Okay? Nous venons sous terre pour nous capables de défendre vivants. Mais je dis nous. Gan pile bagay k ap régler là pendant n ap travail là. Pendant nous dans la rue, on a fait l'obéi, et ben gan pile l'autre bagay k ap régler, doit k ap passer. Et y a nèg k ap filtrer dans mitan nous pour libérer bandi en dans prison. La police travaille en étroite collaboration avec la justice. La police arrête pour le code de la justice. Policier, policière. Dans moment nous est là, c'est pas moment pour n ap faire l'obéi. Fantôme, zombie, entrez dans le cimetière. Zombie, fantôme, entrez dans le cimetière. Contrôlez bien pour vous, il y a une équipe qui a besoin de pouvoir, qui passe par vous-même. Menti, vous avez un non? Fantôme. Vous avez un mot. Vous passez par vous-même pour dire, pour aller dire, ah bah. Pour dire, pour aller dire, ah bah, Jovenel. Pour dire, ah, pour Jovenel, allez. La police pas de jambes qui choisit ça. La police pas de jambes qui est dans la logique ça. La police nationale pas gagné mission ça. Donc, on ne peut pas craser la police là. Monsieur Fantomio, zombie, entrez dans le cimetière. C'est moi qui demande nous, entrez dans le cimetière. Les pour nous sortir, nous avons les pour nous sortir. Le coup de zi. Ok, bon. Ok. Merci, Bill. Alors, faut que nous annoncions que nous avons rendez-vous avec. SPNH. Nous ne faisons pas là lundi tout à l'heure. Ok, on va aller. Bon. Et nous connaissons que depuis les arrivées, les bouées ont balancé 11h30 midi. C'est le débat dans l'émission Matin Débat. Bon point, nous ne mettre sous table là. Mais comme les arrivées étaient sous lit et comme l'éditorial a été fait sous lit matin, hein, après garder le donc en profondeur. Dossier village de Dieu. Ah, c'est pas obligé que vous déjà ici en émission de débat. Il y a un dossier pas j'aime capable d'entrer. Pourquoi il y a un dossier là qui entre dossier village de Dieu? Ça nous fait souli. Pour un dossier qui est capable d'entrer dans ce village de Dieu. Et matin débat, nous mettons projecteur donc sur le village de Dieu. Jusqu'à ce que ça soit fait pour le fait. Gagnons une bataille qui a fait là, un débat qui est initié sur les réseaux sociaux, un matraquage qui a fait là contre le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Léon Charles. Il faut que je dise que matraquage ça, son matraquage politique. Pas oublié. Depuis le Léon Charles monté comme directeur général de la police,
premier secteur de grand pas c'est le secteur des droits humains, nous songez. Jusqu'à ce que Léon Charles te publiquement adressé à la secteur ça vous dit que Vezoyo. Donc il faut qu'on ait exactement ça faire parce que li konn côté au souche tout. Ça on connaît lui-même li connaît tout. Il faudrait que depuis le Sahara bataille secteur droits humains hein, en face Léon Charles, il commencer. Ma brave, vous me dites nous tout que tout ça qui gagne là madame monsieur, il fait partie de deuxième phase bataille politique qui gagne dans le pays après le 7 février 2021. Songez que nous dit ce matin débat que bataille pour le 7 février c'était une phase et bataille après le 7 février ils sont deuxième phase. Et deuxième phase là la plus dure. Et bataille ça que pour le prendre en troisième phase. Et bien troisième phase encore qui l'a commencé, c'est là que blanc débarque dans le pays. C'est là que appui technique et logistique président Jovenel Moïse il sollicité des Nations Unies également de l'OEA et que il commencé donc pour appliquer ça bien comme stratégie avec bien entendu donc soutien technique et logistique que le bajon donc madame monsieur donc des Nations Unies c'est la troisième phase pour le déraper. Maintenant Léon Charles vient comme directeur général de la police. D'ailleurs là il vient comme directeur général de la police en remplacement de monsieur Normil Rameau, tout le monde débat bravo. Je te reconnais le travail que le fait le directeur général en 2004-2005. Et c'est sous base ça que je dis à l'Ivine directeur général. Et c'était tout secteur qui a battu bravo pour lui. Pas oublier. Police nationale d'Haïti a fini à connaître de gros turbulences à partir de Gédéon. Pas jamais ça. Pas jamais ça. Parce que sous-marin des sols, ça te dégage sous-marin des sols. Par contre, si c'est Flandre, marin des sols, comme Flandre qui te fait que. Gede ba agulte facilement maté. Sous quoi son relus. Ça te gagne dans PNH là. Sous quoi son relus. C'est sous Gédéon. Oui, tout problème dans la boule ça a commencé. Et puis, pas oublier tout, madame, monsieur. C'est pas Léon Charles qui est premier directeur général de la police nationale d'Haïti qui font opération, qui échouent une opération, ou du moins qui font opération avortée. Ok? Ce n'est pas la première fois que la police a pris échec dans l'intervention, dans la bataille contre des gangs. Je vais vous rappeler ça. Donc je dis à nous-mêmes qui dans la police, ça a demandé pour Léon Charles quitter pour ça. Ce n'est pas la bataille là. Et pas la bataille là. Et que nous-mêmes comme policiers, tout, nous trop hypocrites entre nous-mêmes. Chaque monde a un intérêt politique. Pas oublier que, madame, monsieur, tout ça qui vient là, donc, c'est politique. Et même au sein même de la police, vous voyez que police, ça son police, qui vient très politisé dans le moment. Et vous venez comprendre ça. Dans la bataille, Jovenel Moïse comme président de la République face à Gédéon. Parce que c'est privé qui te mette, qui te nommé Gédéon. Donc Léon Charles, pas premier directeur général, qui planifie une opération contre Bandi, qui est échoué. Ça a arrivé sous Gédéon. Là, ça c'était Alain qui était Dédéo. Oui. Et c'est ça, oui, c'est chaque intervention sous Gédéon avec Alain. Côté que tu as gagné deux Simo, deux boys, mais deux Simo, deux Hidmo, qui est mouru. Et là, ça me croit que Gédéon t'a laissé gérer la question, il n'est pas bien géré. Est-ce que c'est pas que ça? Et là, ça, barbecue, t'es dans l'opération ça. Barbecue, t'es dans l'opération ça. On parle de Granvin. Oui, Granvin, t'es gon un policier Udmo qui t'es mouru. Un policier Udmo qui t'es mouru. T'es gon bévu policier qui fait. Et tout le monde est logé dehors sous barbecue. Oui. Et c'est oui. Ça qui vient mettre barbecue, Jotia, comme chef gang. Et c'est ça qui va mettre monsieur dehors dans la police là. Soyez ça, madame, monsieur. C'est des sous Gédéon. Yo intervention que t'es faite dans Granvin, donc c'est ton intervention ratée de la police nationale d'Haïti. Et après, mes directeurs général. Qui fait intervention dans la police qui rate. C'est moi qui m'a baillé, relève le côté dans le téléphone. Je dis à Batala. Jusqu'à date, au correct. Ok? Je dis à Batala, madame, monsieur. Faut nous suspendre chaque lego directeur général qui montait dans ta direction générale de la police là. Dès le premier jour, et puis premier cible, c'est lui-même, puis on mettait le dehors. Ça va bien marcher, madame, monsieur. C'est même dans tout le pays. Chaque long président montait, deux ans après, on devait être président dehors. Il va bien marcher.
Je ne sais pas la bataille, là, madame, monsieur. Je ne pas l'allié. Je dis à GDO, écoutez, comme directeur général de la police, tu es échoué tout. Il était échoué tout dans plusieurs interventions de la police, madame, monsieur. Oui, mais il y a une grande différence entre un président avec un directeur général de la police. Non, même pas parler de président là, pas parler de président là. Non, parce que non, pas parler de président là. Alors, moi, je parle de contexte général. Est-ce que là? Parce que l'in culture, nous, depuis que nous avons été président, on peut mettre le dehors. Pas un problème. Je ne vais pas parler dans le détail. Ok? Je ne vais pas parler dans le détail. Ok? Je dis après, même maintenant tout. Où est-ce que ça préval? Si ce n'est pas 12 janvier, d'abord, même, il ne parle pas de préval. T'es monsieur. Madame monsieur, t'as goûté madame monsieur, si la parole, on parle. L'inculture, nous débine à monter président, ok, c'est à bas nègre là, c'est à bas président, vous président là. Donc son instabilité à notre fini. Ou un nègre à sa préval, si n'est pas 12 janvier, il va pour trois manifestations, tout le monde qui commence à plaindre, puis aller à bas préval, Vous là, vous là, vous là. Eh bien, notre direction générale de la police, depuis là, j'ai remonté. Depuis les GDO monté, madame, monsieur. Moi-même, écoutez, Marion Desolde, qui a un mandat, il fait mandat. Godson Aurelius monté comme directeur général de la police, il fait tant lit. Depuis les GDO monté, qui a un bataille dans la police là. Par contre, c'est parce que GDO ensemble à Negio. C'est parce que Negio ou GDO, comme Nadou, c'est policier, il fait toute carrière dans la police là. Il vient directeur général. Et puis tout le monde voit que si j'ai un directeur général et que j'ai un directeur général, tout, est-ce que là? Depuis que j'ai monté, il y a une bataille dans la police, il faut tout le monde directeur général. C'est comme si j'ai un GDO qui vient directeur général là et que c'est normal pour n'importe qui qui vient directeur général. C'est bataille ça pour nous finir avec, madame, monsieur. Léon Charles Jodia là, changement qui opère au niveau de la police nationale d'Haïti, on garde qui ça change ça pour toi, madame, monsieur. Ça a porté comme résultat. Il faut la porter comme résultat. Ok? En tout cas, village de Dieu, ce matin, j'ai appelé monsieur Dorsena Jean-Rebel au téléphone. De Saint-Déléa. Parce que j'ai besoin de confirmer mon information. Parce que je me dégage l'information que Iso prend balle. Je besoin de confirmer l'information. J'ai appelé Dorsena au téléphone. Et puis nous font petit temps nous parler. Je me dis, le commissaire, confirmez-moi l'information ça. Dans le cadre d'intervention de la police et que Iso t'a prend balle. Je me dis, le désir, confirmez. Iso t'a pris deux balles. Bon, l'aime tout. Deux balles, il y a deux balles qui effleuraient, monsieur. Il y a un qui passe bon tête, monsieur. Monsieur qui a ciblé sur les gens. Et puis il y a un qui passe bon derrière, monsieur. Comme si c'était une opération. Non, bah, de dernier balle, monsieur, monsieur. Bye, blindé, hein. Yeah. Iso bat dans la rue, monsieur. Tendez, mon frère. Ah. Moi, tout. Oui, on va parler selon, monsieur. Moi, tout, mon frère. Selon, monsieur. Okay. Donc, Iso prend balle. Et puis, c'est de là, ma vie, comprenez. Iso bat dans opération. Et à l'apporter blindé dans la rue. C'est pas un blindé, c'est une opération blindé. Oui, il y a une opération 12 mois. Les attaques là. Ouais. Opération 12 mois. Les attaques là. Ouais. Opération 12 mois. Okay. On allait. On allait, madame, monsieur. Oui. Et c'est deux. Alors, ils ont ça m'a parlé avec le dernier là. Qui était mort là. On parle qui effleuré. Effleuré. Vous entendez? Ils ont dégagé, monsieur, dégagé. Et puis, je ne l'ai pas balzé. Monsieur. Iso. Iso Jam, ou Jam? Ah, mon frère. L'on bat les fleurs ou Jam? Eh ben Jam, Iso Jam. L'on bat les fleurs ou Jam? Iso Jam. L'on bat les fleurs ou Jam? Non, Esaïe, gros information ou gros information? Oui, écoutez, mon frère. Non, non, c'est gros information officiel, parce que c'est officiel. Je suis d'accord avec selon. Balla et fleurel. MD dit, Dorsena, moi-même personnellement, que M. Iso pas gagné. Balla et fleurel. L'on bat les fleurs ou Esaïe, c'est ça? Pas obligé quand rien. Correct. Mais nous sommes. Et ben là, il fleur, mon frère, il faut photo. Est-ce que nous sommes en avant opération ça, t'es gomba qui te dit que Iso prend balle déjà tout déjà, jusqu'à ce qu'il tape une vidéo. Oui, oui. Demande le fait. Demande vidéo. Vidéo, ouais. Nous sommes en vidéo. Oui, oui. Voilà. Comme si, bruit couru, comme si. Mais qui est-ce qui va vérifier l'information ça? Est-ce que. Non, monsieur, c'est à vérifier. Ils ont vu une photo Bali. Alors, ils ont vu une photo Bali. Ils ont vu une photo Bali. Et après ça, vient de dire. Mais je ne sais pas quoi que. Ils ont une dimension d'Orsena qui va le bail. Ok? Oui. C'est clair. Et puis, en attendant tout, ils ont un bal qui est fléau, ils ont un bal qui est fléau, ils ont un bal.
Le bal là, Fléau, c'est juste le passé. Passé sous. Et puis le capitaine, il a quitté une petite blessure légère. Ok? Donc ça va me dire qu'on prend balle. On est dans des yun dans l'estomac, yun bon tête. Oui, yun qui va se dire. Je l'ai gagné, je l'ai pas balle. En tout cas, pour information population, parce que nous sommes dans la population, c'est que il y a une préparation qui a fait là pour que Izo quitte le village là. Et soit, deux bagages, deux possibilités. Soit on fait gangster dans le temps, monsieur, manger monsieur. Ok? Il y a gros l'argent sous tête, monsieur là. Soit on fait manger monsieur dans le village là. Ou bien on fait monsieur quitter le village là. Eh bien. Et poser des questions, pour qui ça? À partir de là, c'est Izo problème là même. Izo problème non. Et ça, et ça qui dit bon, alors, et ça qui paraît comme Izo problème non. Vous pas comprendre non. Là, lui il paraît comme si c'est Izo problème non. Mais de fait, ils sont problème tout. Oui. Oui. Ils sont problème tout. Ils sont problème. De fait, oui. Parce que selon certains monde qui a parlé en dans village là, l'église a fonctionné. Toute bagaille net, toute activité a fonctionné dans village. À un certain niveau. Hein? Il y a des côtés dans village là, il y a un non. Oui. À un certain niveau dans village là. Oui. Même bien doué. Il y a des côtés dans le village. Ben, okay. Toute activité a bien fait. Ah, oui. En dans le pays. En dans le village. Non, c'est un niveau. Yeah. Okay. On est en niveau. Pas. Oui, dans le okay. Ouais. Non, parce que c'est le village de Dieu. Dans zone cité plus. On est le village de Dieu. Il close. Son Watchen qui sépare lui-même avec cité plus. Cité plus. Cité plus. Dans zone d'Ayo, le village a frappé. Mais, les gars, on continue à prendre plaisir dedans. Enfin, mon abdou. Et ceci, et cela. Pas grand. Eh bien, okay. Okay. Mais, Isaïe, il est bon pour nous aller nous confiner après notre petit débat avec information pour vous. Oui, ok, bien, bien, on allait. Yeah. Maintenant, c'est n'a pas parlé avec Edouard Sénat de la commission en fait de CNDDR. Venez comprendre des bagages tout pratiquement qui ont un rapport avec la police nationale d'Haïti. Commission, par exemple, recevoir un dollar du gouvernement. Permettez-moi tout. Oui. Ça a vrai, depuis le là. Premier ministre n'a pas dans la commission ça. Non, yeah. Il va jamais recevoir un dollar. Même si c'est pas premier ministre là, vous camper chez jeune comme si le président passe l'autre. Non. Il va jamais recevoir. Budget les dans le primatulier. Le primatulier. Ouais monsieur, ouais moi-même là parler. Moi m'a parlé simple moi-même sur l'autre bagarre. Moi dit si président voulait commission jeune comme l'a jeune comme. Mais dans primatulier. Pourquoi pas parler de budget? Oui, mais si le président, si président de la République l'a passé l'ordre formel à premier ministre, la jeune comme. Il est de fait que je dis à madame. En tout cas, premier ministre bloqué commission. Ouais, okay. Il est de fait que, il est de fait que madame, monsieur, je dis en commission par recevant good en fait du gouvernement ici. Ouais. Jimmy Boyan et Philidor Guy Evans, c'est nos deux agents Udmo qui sont morts dans le cadre d'opération Grand Avenue en 2018. Et c'est opération 2018 ça qui vient bailler barbecue que nous avons dit à madame. Ouais, ouais, ouais. Et c'est des sous Gédéon, Miguel Gédéon. Ouais. C'est opération ça. Donc c'est pas la première fois au directeur général de la police planifie une opération contre gang, contre bandit, qui est souhait. C'est pas la première fois. Moi, d'accord tout. Okay. D'accord tout. Et monsieur Gédéon et. Tu travailles dans la police là, dans cette police là, pour te mettre confiance dans la police là. Deuxièmement, et gros problème qui posait et entre kaki, t'es tout des problèmes ça. Ok, ma bra parler pour un peu le monde qui fait brancher une émission là. Et gros problème kaki, ok, gros problème kaki, ça c'est clair. Et sur question de nègre militaire, policier, ok, ouais, problème ça, et pas un problème qu'il a depuis Kounia, qu'il a qui fait là. On va quitter là déjà. C'est qui vient ressusciter. Depuis sous Fourel Céleste. Moi j'aime pas bon mentir, okay. Comme si faut le directeur général la monter dans plusieurs têtes, plusieurs monde dans état major. Depuis j'ai dit monter directeur général, pas bon mentir. Même de la n'a pas souba yo. Comme si n'gado, pas contre c'est parce que yo était trop bien âgé de yon, comme si n'gado pensait que peut-être j'ai devenu directeur général trop facile, m'pas comprendre. Comme si depuis monsieur directeur général, comme si tout est envie directeur général tout. Mais femme tout. Tout n'est pas envie directeur général, bala monter dans tête négo. Tout n'est pas envie chef. Tout n'est pas envie chef, man. Comment dire directeur général? Et puis, ça donne des problèmes. Plusieurs. Pendant le coup, dis ça là. Combien qui vient dans tête, moi tout. Comment directeur général qui passe là? Ben, on compte. Après, pendant une dizaine. C'est Denis qui était premier? Non. Et. Pendant une dizaine. L'amour. Vos informations pour nous. Et directeur général. N'importe monde. L'amour. Monsieur Rameau. Monsieur Rameau. Pardon, Monsieur Rameau, non?
et Rameau, premier Rameau. Non, pas contre Rameau, contre Rameau, c'est commissaire. Commissaire. Adrien Rameau. Très bien. Premier, premier directeur général de police nationale. Ah, vous êtes Denise. Et vous êtes Denise qui vient passer devant le Parlement. Et après, vous prenez une gagne. Non, vous êtes une petite à bord de l'appel là. Fouel Célestin. Fouel Célestin. Fouel Célestin. Alors, Fouel Célestin. Avec toi. Avec toi. Avant Denise. Avant Denise. Avant Denise. Avant Denise. Ok. Avec toi. Et vous prenez une jeune. Jean-Denis Lucien. Jean-Denis Lucien. Avec quatre. Avec quatre. Madame Kouakou. Madame Kouakou a été inspectrice générale. Général. Et Madame Jocelyne Pierre. Jocelyne Pierre. Jocelyne Pierre. Avec cinq. Qui était mourue dernièrement, le rappelons. Et vous prenez une jeune monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, qui parle à son nom, mais monsieur. Oui, 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 oui. Et ça, oui, après, non, monsieur. Avec sept. Bon, après, vous prenez une jeune Jean-Aubert Faveur. Oui, ça fait sept. Jean-Aubert Faveur. Après, vous prenez Jean-Aubert Faveur. Après, vous prenez une jeune. Et après, Jean-Aubert Faveur. Et vous prenez un problème. C'est laisse à Justine Pierre. Nous avons le monté. Et Justine Pierre, après, Jean-Aubert Faveur. Alors, et Jean-Claude, et il y a deux directeurs généraux qui prennent monter rapidement. Jean-Aubert Faveur va venir monter. Et après, on prend le joindre. Daniel Toussaint. Jean-Lucie Lucien. Jean-Lucie Lucien. Non, Daniel Toussaint n'est pas directeur général. Daniel Toussaint n'est pas directeur général. Daniel Toussaint n'est pas directeur général de la police. Non, le directeur général de la police nationale. Je ne sais pas, c'est de quoi son directeur général. Oui, il était conseiller des chefs. Il était commandant police intérimaire. C'est comme si c'était un directeur général de la police. Oui, c'était police intérimaire. Non, il va mettre dans le tableau. Jean-Lucie Lucien avait 8. Jean-Lucie Lucien. Pardon, dizaine. Oui, après on va lui joindre. Et après Jean-Lucie Lucien, on va lui joindre. Et les Aristides d'aller. Et c'était Jocelyne Pierre qui était. Jocelyne Pierre, hein, où est-il déjà? Était après. Ça, c'est le premier Aristide là. Oui, premier. Non, le dernier Aristide là. Et Préval, qu'est-ce qu'il a Préval? Et. Non, moi, j'ai... Préval, c'était. Hein? Non, oui, oui, c'est ça. Dernier Aristide là, c'est pas directeur là qu'on y a là. Non, non, non. 2004, oui? Non, non. 2004, c'est. Oui, après Aristide d'aller. Ah, on voit là même, on voit là. Ah, ok. On voit là, il y a Léon Charles. Léon Charles, bien. Léon Charles. Eh bien. 2004. Très bien. Et puis voilà, vous voyez Marion Desol. Marion Desol, eh bien. De Marion Desol, vous voyez Godson Aurélius. Et puis. J'ai Léon Rameau. Et puis. Et puis, vous venez de monsieur encore. Léon Charles à nouveau. Yeah. Ok, bon, donc, en tout cas. Après 15 ans. Dans le tableau, monsieur. Il y a un directeur qui met en pointe tout bon, c'est Marion Desol. Marion Desol, oui. 7 ans. Ouais. Il passe plus de temps dans la police là. C'est monsieur modèle là. Oui, monsieur passe plus de temps. Il faut donner un effort pour soit arriver dans le plus de temps. Mais Fendi, c'est dans l'État même. Depuis que vous jouez nos postes, il y a des gens dans l'État encore. Comme si Kapgouma avant vous mettez à tête. Mais sous dossier d'Agent Rebelle là. Secrétaire d'État. N'en parler avec d'Agent Rebelle. Il y a un peu de monde qui a confondu Léon Jeune. Léon Jeune, pas directeur général. Il était secrétaire d'État, premier secrétaire d'État à la sécurité publique. La sécurité publique, oui. C'est lui qui a organisé tout recrutement à la police nationale. Très bien. Donc il n'y a pas de premier directeur général à la police nationale. Très bien. Donc ça font 12 ans à peu près. Oui. En 12 ans donc, de mais le monde qui a pensé que Léon Charles, Léon Jeune était directeur, il n'est pas jamais directeur général, il était secrétaire d'État à la sécurité publique. Très bien. Très bien. Ok. N'en parler avec d'Agent Rebelle, permettez-la toute. Je dis, nous ne pas bon aussi. Lui-même, je dis à la, si on ne peut pas avoir machine blindée parce que la ville est en danger. Ah, monsieur. Mais monsieur, on est qui dans la commission des armements. Et maintenant, tout. Minimum, Mouda doit gagner son machine blindée, d'accord? Normalement. Minimum. Normalement. Minimum. Soit on fait travail. Ah oui. Soit on fait travail. Oui, soit on fait travail. Non, monsieur travaille. Et monsieur travaille. Non, monsieur travaille. Alors, ce que tu veux. Tu veux dire, premier ministre, il a gagné 5 ans, il a gagné une blindée lui-même. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Oh, et mon cavalier dans le ghetto, Capraval fait pénétration. Ça pas problème. Par exemple, dans le CNDD, il y a une cellule qui est responsable. Il y a un gars qui a petit de problème. Réinsertion, intégration. Non, il n'y a pas réinsertion. C'est pas le disait l'agent d'État pour ça. Démantèlement. Démantèlement même. Démantèlement. Comme si les gens qui ont démantèlement même. Bah, petit tour machine blindée, ça pas de problème. Ou travail, ou l'argent, ou petit tour machine blindée, point très. Non, pays gain sécurité. Ok. Alors, on va dire ça tout. Mais faut pas barrer parce que attendez. Écoutez, si n'est un personnel les amis. Li achète une machine avec cobal. Li bail blindé la cobal. Li dans l'état. C'est cobal, bail problème. De l'argent parle. Pas de problème. Li achète le bail petit lui. Mais maintenant si dans l'état côté li pas pas commander le pousser l'argent parle pour la bail l'état pour la lâcher machine blindée bail. Non, c'est comment le faire acheter la machine blindée bail avec l'argent parle là. Non, mais l'état. Mais l'état gon l'argent, attendez. L'état budget c'est Mais voilà, on a cherché dans budget
c'est budget avec une machine blindée pour dans le Sénat. Non, pour commission, pour commission. Allez, pas seulement dans le Sénat. Oui. Dans le Sénat, dans la commission, c'est moun qui a fait pénétration, moun qui a entré dans. Parce que CNDDA a accompagné et la police dans tout. Moun qui a fait abattre les CNDDA. Moun qui a fait abattre les CNDDA. C'est pas les pour dénoncer l'insécurité, pour demander justice. C'est pas les pour besoin. C'est pas les pour besoin. C'est le pays qui a besoin. Si le président prend des décrets, c'est parce que qu'on connaît que le pays a dans la situation où il y a là, il a besoin. Pas de problème. Ça veut dire, si il y a un cop qui pour lui, il n'y a pas besoin de personnaliser. Parce que son institution que l'État lui crée, parce que le président prend des décrets. C'est clair, c'est clair. Faut qu'il y ait un budget. Faut qu'il y ait un budget pour le temps. C'est dans le palais. Il n'y a pas de l'argent. Mais permettez la doute, où est-ce qu'il n'a pas concouru? C'est si Dorsey Nagel Rebel t'a décidé de quitter le job là et puis quitter le pays. Et puis il commence à parler de côté là. Parce que le matin, vous songez que Dorsey Nagel que il y a une liste tout le monde qui a vendu des âmes qui ont trafic d'âmes dans le pays, que le soumet déjà à la justice et que il ne fait pas faire aucune action contre le monde. Et bien si Dorsey Nagel a quitté le pays, et puis il a les mains aux États-Unis, ou bien côté de Valais, ou bien New York. Okay? Et puis de New York étant de Miami étant libre matin de bah interview et ben monsieur va parler oui ça pour ce matin de bah mais matin de bah quand même alors le commandant il va faire il va faire m'a rappelé on bagage que okay. Commission ça a fait c'est là où qu'a parlé de volonté parce que en principe depuis bon job yo bon job ou prend job là job là gain objectif oui. Donc il pas gain volonté non bon mission il a une volonté mais si tellement je nous parler là que au papa monsieur rien dans commission hein yo foncé quand même yo foncé quand même yo arrivé kembe au monde qui jusqu'à présent et n'a pas résultat oui ça me dit you nan nèg yo kembe c'est commission qui goumet qui fait ka kembe au nèg qui te gagne un café commerce zam et munition lako et bi lako c'est jusqu'à présent bagaille ça son bagaille qui difficile pour un groupe monde. Accepter, bah, on parle qui là depuis longtemps. Et ne soirée pas seulement Abi, non, t'as kimbé. Eh bien. C'est pas seulement Abi Lako, t'as kimbé, ne soirée. C'est de plusieurs mouns qui n'ont même genre, n'ont même association, t'as kimbé. Mais, bon. Mais pour qui ça c'est Abi seulement? Eh bien. Pour qui ça c'est Abi seulement? Eh bien, en tout cas, son dossier n'a pas suivi ici, hein. Dans l'émission Matin Débat. N'a pas souhaité bonne fête à Madame Martine Fouché. Madame Martine Fauché, donc qui boit mon quête, donc qui branche l'émission Matin Débat, et qui se demande en fait de Madame Bélisère, donc bonne fête à Madame Martine Fauché, donc branche Matin Débat, donc Madame Monsieur, donc à boit mon quête. N'absol également, donc pour Maître Nicholson et Joudan. Maître Nicholson Joudan, on songe sélecté avec nous dans Matin Débat, et dans Grandas, Jérémy. Ah bon? Et monsieur, ok, avec nous. Ok. Donc, ah oui, qui vraiment. Donc, non, mais et vraiment, mon Jérémy. Oui, mon Jérémy. Oui, et, oui. Non.